Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de célébrités. On va parler plutôt de régime de célébrités. Ce que font certaines célébrités pour rester jeunes, pour rester en forme, mais surtout pour rester minces. Donc ici, on va parler des célébrités d'un certain âge, c'est-à-dire celles qui ont atteint l'âge de la ménopause. Et je vais prendre quelques témoignages de célébrités. Dans ce cas-ci, on a Carla Bruni, on a Naomi Campbell et on a Cindy Crawford. Donc, comment est-ce que, passé la cinquantaine, elles font pour rester en forme, elles font pour rester toujours filiforme, hein, avoir la taille. On sait que lorsqu'il y a la ménopause, pour certaines femmes, il y a beaucoup d'embonpoint. Les femmes ont du mal à perdre du poids et à ajout pondéral au niveau, par exemple, de la taille. Donc la taille s'épaissit un peu. Un tout en commun, c'est-à-dire vous et moi, si on était arrivé à cet âge-là, ben, je peux vous dire qu'on serait un peu plus gros. Ça dépend en fait de la physionomie des gens, pour la plupart des femmes. Donc, alors, comment font ces célébrités pour rester minces? Donc, c'est beaucoup de travail. C'est d'ailleurs ce que dit Carla Bruni. Elle fait du sport tous les jours, elle régule son alimentation, elle a enlevé certains aliments. Quand je dis faire du sport tous les jours, c'est carrément 2 heures de sport tous les jours. Là, c'est drastique, hein. 2 heures de sport tous les jours, c'est énorme. Déjà 15 minutes, certains sont au chaos, mais 2 heures de sport tous les jours que Dieu fait sans s'arrêter, c'est incroyable. En tout cas, kudos à elle, comme on dit. C'est comme ça qu'elle fait pour garder la ligne et pour combattre le poids amené par la ménopause. Pareil pour Naomi Campbell. Naomi Campbell fait du sport, mais n'en fait pas autant que Carla. Elle fait à peu près 1 heure de sport, mais elle dit en fait qu'elle prend qu'un seul repas par jour. Alors là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compte les calories. Pour une femme, dans une journée, il faut avoir, je crois que c'était 1200 calories, à moins que je me trompe. En tout cas, c'est pas 2000 calories, ça, c'est entre 1200 et 1500 calories. Ce qu'elle fait, elle se prend un repas et elle le divise en plusieurs parties pour l'ingérer tout au long de la journée. Ce que je trouve assez drastique, hein. Et peut y avoir problème de carence, mais bon, pour elle, dans ce cas, elle, comme elle est riche et célèbre, elle prend sûrement des vitamines. C'est à peu près tout ce qu'elle mange. Elle mange aussi de la salade avec une petite goutte de citron et du sel. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Et c'est comme ça qu'elle fait pour combattre le poids causé par la ménopause. En ce qui concerne Cindy Crawford, ce qu'elle fait, c'est du yoga. Elle dit qu'elle fait du yoga pour s'empêcher de grossir. Donc, en même temps, je peux comprendre qu'elle fasse tout ça hein, pour pouvoir maintenir la taille, garder la ligne, parce que ce sont des personnages publics, elles ont une image à tenir. C'était des mannequins qui étaient superbes, jolis, maigres, fines. Hein. Si tout d'un coup, avec l'avancée de l'âge, elles se laissent aller et qu'elles prennent du poids, ben, je vais vous dire que la presse ne sera pas tendre avec elles, hein, comme ça a été le cas de Linda Evangelista quand elle a eu les problèmes de défiguration après une opération de chirurgie esthétique. Je peux vous dire qu'elle était dans la presse et on parlait d'elle de façon négative. Donc pour éviter tout ça, ben, Carla Bruni, Naomi Campbell et Cindy Crawford font des efforts draconiens afin de garder la ligne. Ben, ce sont des sacrifices qui leur permettent d'être toujours belles. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Moi, personnellement, je ne peux pas. Le sport, j'essaie de faire de temps en temps, mais bon, arrêter de manger, ça, il n'en est pas question parce que, quand même, après ça, qu'est-ce qui reste à la vie? Et faire du yoga, j'aimerais bien, mais bon, il faudrait m'y mettre. Hein. Je ne sais pas. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.